enfin. Comme ça, vous arrivez, comme même pas vous prévenez. Donc, on est arrivé à l'Autopassion Café. C'est comme ça qu'il s'appelle. Pour tester un petit peu, en avant-première, Test Drive Ferrari. C'est le nouveau de chez Big Ben. Et là-bas, il y a pas mal de choses qui nous attendent. Il y a des sièges baquets pour histoire de bien conduire. Il y a des petits circuits, comme quand on était enfant. Sauf que là, c'est vraiment un circuit. Apparemment, il vaut 600€ à peu près. Donc, c'est pas un circuit. Voilà. Normalement, on devrait parler aussi avec une personne de chez. Du développement du jeu. Donc, on y va. Je prends mon coca avec moi quand même. Toujours. Et à tout de suite. Test Drive Ferrari, donc le nouveau Test Drive qui va sortir donc dans au courant du mois de juin. La grande question, c'est est-ce que le jeu va réussir à se faire une place en dehors des fans, vraiment en dehors des fans purs, puisqu'il y a Forza quand même qui a mis la barre hyper haute. Il y a Gran Turismo qui est quand même là, qu'on le veuille ou non, malgré tous les défauts qu'on peut lui reprocher. Donc où est-ce que Test Drive Ferrari va réussir à se faire une place, c'est la question qu'on se pose. Après, c'est sûr que les fans de Ferrari, Testarossa, comme on dit, très probablement aimés. Il y a vraiment moyen qu'ils aiment. Maintenant, il y a quelques petits trucs qui peuvent déranger un peu. La voiture chasse beaucoup. La voiture chasse vraiment beaucoup. Enfin, je trouve qu'elle chasse beaucoup. C'est un petit peu aliasé. Il y a un peu de clipping aussi. Un peu aliasé, un peu beaucoup aliasé. Il y a du potentiel. Il y a vraiment du potentiel. Faut vraiment oublier tout ce qu'on a connu des test drives. Dans le sens où le jeu, c'est plus un monde ouvert. Là, on sera uniquement sur circuit. C'est vraiment un jeu de course uniquement basé sur du circuit. Alors, on fait des tours, on gagne les courses. On sait plus, on se balade dans la ville sur Visa, bon, comme sur Test Drive Unlimited 2. C'est vraiment, on est sur circuit et uniquement sur du circuit. Bon, là, c'est pour ça que je disais, est-ce que le joueur, l'amateur de jeux de course, enfin l'amateur des anciens Test Drive, va réussir à lui plaire. Voilà. Le jeu est clairement destiné à un autre public que les anciens joueurs, parce que là il essaye de rentrer dans la cour de la simulation. Faut vraiment attendre d'en voir plus, attendre d'avoir le jeu aussi à la maison pour voir vraiment tester, etc. Mais voilà, il y a un petit potentiel, il y a un petit potentiel à voir sur le long terme, une fois qu'on l'aura à la maison, une fois qu'on pourra vraiment le tester. Pour l'instant, les impressions sont plutôt bonnes, et on attend de voir la place qu'il va réussir à se faire entre un certain Forza et un certain et je m'en mêle et Gran Turismo. Voilà, faut vraiment voir ça. À toutes les copains. Les copains, donc après avoir un petit peu testé manette en main, enfin volant en main même, Test Drive Ferrari, on va faire un petit peu discuter plus précisément du jeu. On est avec Sébastien Waxin. Certaines personnes qui en regardent les Sam's Andrei vont peut-être les reconnaître. Chez le directeur chez Big Ben. Voilà. En fait, plus précisément, c'est assistant marketing et communication chez Big Ben. Voilà. Et on s'était déjà vu rapidement pour Kung Fu. Voilà, Kung Fu et Impact. Ouais, Kung Fu et Impact. C'est sympa. Ouais. Donc là, on est là pour parler un petit peu de Test Drive Ferrari. Alors, première question, concrètement. Ouais. Le jeu est destiné à qui ? Il est destiné déjà forcément aux fans de Ferrari, aux fans de jeux de course. Et ceux particulièrement qui aiment les jeux de simulation de course et pas trop arcade, c'est vraiment une simulation de course. D'accord. Il y a Forza 4. Ouais. La Gran Turismo 5. Ouais. Est-ce que tu penses vraiment que le Test Drive Ferrari va réussir malgré tout à s'imposer? Il y a Forza qui continue avec ses DLC, etc. Ouais. À enrichir le jeu. Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a de la place encore pour Test Drive Ferrari? Je pense qu'il y a de la place, parce que ça vise un public vraiment ciblé, les fans de Ferrari. Donc je pense qu'on aimerait tous avoir une Ferrari, faut pas se le cacher. Hein. Et là c'est vraiment le moyen de se mettre en main une Ferrari. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on retrace aussi l'histoire de la marque Ferrari. Donc oui, je pense qu'il y a une place pour
pour Ferrari test drive. Et parce qu'on part en fait de 1947, les premiers modèles de Ferrari, jusque 2011. Donc ça a une petite partie historique aussi. C'est pas simplement de la simulation, on apprend des choses aussi. Voilà, donc je pense qu'il y a, il y a de la place à côté des Gran Turismo. Non, on passe vraiment sur le circuit, avec la simulation comme t'as dit. Oui. Pourquoi sur le changement? Mais en fait, c'est vraiment pour coller à l'image de Ferrari, la voiture de course, etc. Parce que je pense que ça s'essouffle un peu aussi, le côté courir dans la ville, il y a eu des Need for Speed comme ça, etc. Donc là, vraiment tester la course sur circuit et pleinement sur circuit. Donc, multijoueur en cours de développement, ouais. Les modes de jeu, tu sais ce que ça va être ou pas? On sait pas. De toute façon, il y aura forcément la course, donc le mode multijoueur, c'est jusque 8 joueurs en ligne, donc ce sera forcément de la course. Sur le FPS, sur, pardon, en 30 FPS, j'imagine. Ouais. Et à côté, on ne sait pas s'il y aura des modes de jeu spéciaux, etc. En fait, Ben, nous, on est distributeur du jeu, on n'est pas éditeur, donc on n'a pas une grande visibilité sur ces éléments-là. Le système de carrière, il s'oriente autour de défis. C'est pas un championnat, par exemple un championnat de Formule 1. On commence pas la carrière avec une voiture et on fait tous les circuits et on finit avec la même voiture. En fait, ça fonctionne pas comme ça, c'est sous forme de défi. Tu commences en 1947 avec la toute première Ferrari sur un circuit ancien, donc un ancien tracé. Au début, tu as même une image un peu vintage, etc., avec un effet sépia et tout. Donc, tu commences comme ça et en fait, c'est des défis. Donc le premier défi par exemple, ça va être, je sais pas, je me souviens plus si c'est le premier, mais ça va être par exemple terminer dans les trois premiers. Donc tu te fais la main petit à petit sur le jeu, tu développes, sur les véhicules, tu développes ton expérience, tu développes tes véhicules de plus en plus puissants, et c'est comme ça en fait que tu prends le jeu, que tu prends le jeu en main, et tu débloques aussi les circuits dans leurs différentes versions. Donc tu vas courir dans le mode carrière par exemple, tu vas courir avec une voiture de 1950 sur un circuit de 1950. C'est super, enfin c'est génial comme principe. Non, c'est assez sympa le système d'évoluer avec le temps. Ouais voilà, et c'est comme ça aussi que tu débloques. D'accord. Tu débloques les éléments. Et je pense qu'on a fait le tour sur le truc. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Ouais. Qu'est-ce que toi tu penses que tu pourrais rajouter justement qu'on pourrait avoir oublié? On a peut-être oublié de parler d'un dernier mode de jeu qui est le mode entraînement en fait avec une voiture fantôme, le classique. Je pense qu'on a fait un peu le tour des éléments importants du jeu. Après, aux joueurs de découvrir aussi, on va pas tout dévoiler. Et le jeu sortira donc début juin. Début juin, 60€, 70€. 59 sur PS3 et 360, ouais. Et aussi une version PC à 39€. D'accord. Est-ce que tu sais s'il va y avoir des bundles volants, des trucs Pour l'instant, c'est pas prévu de notre côté. Du Big Ben, un peu constructeur. Voilà, on fait aussi beaucoup d'accessoires. Ben, aujourd'hui, vous avez pu tester le siège baquet de Big Ben. Pour l'instant, c'est pas en projet. Après, si le jeu se vend super bien, etc., et qu'on voit qu'il y a une demande de coupler avec ces objets, peut-être quoi. D'accord. Voilà. On est donc avec Sébastien, le vaccin de chez Big Ben, pour Test Drive Ferrari, donc attendu pour le mois de juin, 60€ sur console et 40€ sur PC. Donc moi je vais finir mon petit coca. J'ai la voiture qui m'attend à côté, on va rentrer à la maison, on va rentrer à Vitry avec, il n'y a pas de problème. Et puis bon, on vous dit à la prochaine. Ciao.